أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أدبي، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نبدأ الدرس السادس، وسوف نلقي نظرة على المفردات وطريقة استخدامها. فاصل قصير ونعاود. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer avec dossier 6. Le titre de ce dossier, c'est « À la tour Eiffel ». On commence avec la compréhension. Observez bien les images. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a dans les images? Ce sont des monuments. Oui, regardez, des monuments partout dans le monde. Là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un monument. Répétez. C'est un monument. Un monument. Très bien. Où se trouve ce monument? Il se trouve à Rome, en Italie. Oui. Comment s'appelle-t-il? Le monument s'appelle comment? Il s'appelle le Colisium. Et là, regardez les images. Ce monument, où est-il? Il se trouve où? Dans quel pays? Ce monument est en Inde. Oui. Il s'appelle Taj Mahal. On observe aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les pyramides de Giza, en Égypte. Et là, observez bien l'image. C'est où ce monument? Ce monument se trouve où? Ce monument est à Paris, en France. C'est l'Arc de Triomphe. Et là, c'est aussi un autre monument à Paris. Il s'appelle, oui, c'est la Tour Eiffel. Répétez, la Tour Eiffel. Observez bien les quatre images. Que font les amis aujourd'hui? Nos amis Kuwaitiens et Français, que font-ils aujourd'hui? Ils visitent les monuments de Paris. Donc, ces quatre monuments se trouvent à Paris. Où est Paris? Paris se trouve où? Regardez, observez bien. Paris est en France. Donc, Paris se trouve en France. Regardez, aujourd'hui, on va voir un dialogue entre les amis Kuwaitiens et Français. Le dialogue se passe entre Mona, Jean-Pierre, Brigitte, Hassan et Monsieur Martin. On commence avec le dialogue. Le matin, Monsieur Martin emmène les jeunes à la Tour Eiffel, le monument le plus célèbre à Paris. Ils font la queue depuis 30 minutes. Mona: que c'est grand, elle est plus grande que les tours de Koweït. Donc la Tour Eiffel et les tours de Koweït. La Tour Eiffel, elle est plus grande que les tours de Koweït. Jean-Pierre: vous voulez monter au premier ou au deuxième étage? Brigitte: au dernier. Au dernier, regardez, observez bien. Au dernier, d'en haut, la vue est magnifique. Voici la vue du dernier étage de la Tour Eiffel. La vue, répétez, la vue, le manzar. Jean-Pierre, on prend l'escalier. Répétez, l'escalier. Très bien. Les filles, ah non, voilà l'ascenseur. Répétez après moi, ascenseur. Très bien. Jean-Pierre, je vais acheter les billets. Tu viens, Hassan? Répétez, les billets. Encore, les billets. Hassan, ok, quelle longue queue. Longue, oui. Beaucoup de monde. Brigitte, oui, c'est normal.
on est devant le monument le plus visité du monde, le plus visité avec beaucoup de monde. Mona, c'est très haut, la vue est superbe. Monsieur Martin, regardez là-bas, à gauche. Oui, là-bas, à gauche, c'est l'Arc de Triomphe. Donc, nous avons à gauche, répétez, à gauche, très bien, à droite, répétez, à droite. Monsieur Martin, il est au bout de la fameuse avenue des Champs-Élysées. Répétez, des Champs-Élysées. Encore, des Champs-Élysées. Très bien. Jean-Pierre, Hassan, viens voir les Invalides à droite. Les Invalides à droite, répétez. Invalides, très bien, à droite. Excellent. Hassan, ces bâtiments sont très anciens, n'est-ce pas? Donc, répétez, anciens. L'opposé de ancien, moderne. Les immeubles, les bâtiments sont anciens. L'opposé, moderne. Répétez, moderne. Très bien. Jean-Pierre, oui, admire aussi la Seine. La Seine et les bateaux-mouches. Répétez, la Seine. Très bien. Les bateaux-mouches. Répétez, bateaux-mouches. Très bien. Brigitte, alors, comment vous trouvez ce paysage? Hassan et Mona, c'est vraiment merveilleux. Répétez, merveilleux. Très bien. Après le dialogue à la Tour Eiffel, tu choisis la bonne réponse. Nous avons une question. Où sont les amis? Est-ce que les amis sont à la maison? Sont à la Tour Eiffel? Ils sont au musée du Louvre. Réfléchissez bien. Le dialogue se passe où? Où vont-ils les amis? Très bien. Donc, les amis sont à la Tour Eiffel. Quand visitent-ils la tour? Ils visitent quand la Tour Eiffel? Le soir? La nuit? Le matin? Réfléchissez bien. Le dialogue se passe quand? Très bien, le matin. Donc, les amis, ils visitent la Tour Eiffel le matin. Très bien. Comment était la visite? La visite était comment? On décrit la visite. La visite était excellente. La visite était pas bien. Ou longue, très longue. Réfléchissez bien, la visite était comment? Bien sûr, la visite était excellente, merveilleuse. Pourquoi? Pourquoi il y a une longue queue devant la tour? Quelle est la raison? Parce que, donc attention, pourquoi? La réponse commence avec parce que. Parce que, 1. C'est le monument le plus visité dans le monde. 2. C'est le monument le moins visité. Ou 3. Le monument n'est pas célèbre. Réfléchissez bien. Pourquoi? Quelle est la raison? Bien sûr, parce que c'est le monument le plus visité dans le monde. L'alam. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de la Tour Eiffel? Donc attention, à gauche, Shamal. Qu'est-ce qu'il y a? 1. Les Invalides. 2. L'Arc de Triomphe. 3. Il n'y a rien, il n'y a rien à gauche. Réfléchissez, il y a un monument qui se trouve à gauche de la tour. Bien sûr, l'Arc de Triomphe. Tu réponds aux questions. On passe là au deuxième type de questions. Tu réponds aux questions. Depuis quand les amis font la queue? Depuis quand?
Regardez bien. Ils font la queue depuis 30 minutes. Très bien, 30 minutes. Répétez, 30 minutes. 2. Comment est la tour Eiffel? Comment pour décrire le monument, décrire quelque chose? Comment est la tour Eiffel? Réfléchissez bien. Elle est haute, Alia. Elle est ancienne. Très bien, répétez, haute. Encore, haute. Très bien. Ancienne, répétez, ancienne. Excellent. Donc, comment, quand on pose la question avec comment, on doit avoir des adjectifs. 3. Quel monument ont-ils vu d'en haut? Ils ont monté la tour Eiffel et ils ont vu un monument. Quel monument était? Ils ont vu l'Arc de Triomphe. Très bien. Donc, quel monument? L'Arc de Triomphe. Répétez. L'Arc de Triomphe. Très bien. 4. Les Invalides. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est les Invalides, à votre avis? Bien sûr, c'est un bâtiment très ancien. Donc, les Invalides, c'est un monument, c'est un bâtiment très ancien. 5. Qu'est-ce qu'on doit acheter pour monter à la tour Eiffel? Pour monter, on va monter la tour Eiffel. On doit acheter quelque chose. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on doit acheter? Bien sûr, on doit acheter les billets. Répétez, les billets. Qu'est-ce que ça veut dire les billets? Les tickets. Répétez, tickets. Très bien. 6. Qui emmène les amis à la tour Eiffel? Ils vont comment? Avec qui? Monsieur Martin emmène les amis à la tour Eiffel. Donc attention, quand on pose la question avec qui, on doit avoir une personne comme réponse. Donc Monsieur Martin emmène les amis à la tour Eiffel. On commence maintenant avec le vocabulaire de dossier 6. Tu réponds aux questions. Observez bien. Que fait la mère? La mère, elle fait quoi, la mère? La mère, qu'est-ce qu'elle fait? La mère emmène son fils à l'école. Elle emmène, trafiq, son fils à l'école. Répétez, emmène. Encore, emmène, très bien. Que font les enfants? Les enfants, ils font quoi? Ils font la queue. Oui, regardez, observez bien. Le bus et les enfants. Que font les enfants? Ils font la queue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire la queue égale se mettre en ligne. Donc, les enfants, ils se mettent en ligne pour entrer dans le bus. Une longue queue. Regardez, très longue. Une longue queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, long, c'est au masculin, longue au féminin. Répétez, long, très bien, longue. Oui, l'opposé de ce mot, c'est court. Qasir, court. Et au féminin, on dit courte. Répétez, court. Très bien. Au féminin, courte. Excellent. Observez bien ces monuments. C'est quoi? Bien sûr, ce sont des monuments. Donc, 1, 2, 3 et 4 monuments. Ce sont des monuments au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire, monument? Les monuments, ce sont les lieux touristiques. Lieux touristiques. C'est aussi des sites touristiques. Donc, le monument, c'est un lieu ou des sites touristiques. Répétez, monument. Très bien, lieu touristique. Répétez, lieu touristique. Répétez, site touristique. Site touristique.
voyons quelques monuments de Paris. C'est quoi ce monument? C'est un monument qui se trouve à Paris. C'est la Tour Eiffel. Répétez, c'est la Tour Eiffel. Très bien. Comment s'appelle ce monument? Aussi, c'est un monument qui se trouve à Paris. Il s'appelle comment? Réfléchissez bien. Bien sûr, il s'appelle l'Arc de Triomphe. Répétez, l'Arc de Triomphe. L'Arc. Qaws. Et ça, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Nous avons la fameuse avenue qui s'appelle des Champs-Élysées. Répétez, des Champs-Élysées. Très bien. Observez bien l'image. C'est quel monument, à votre avis? Bien sûr, c'est les Invalides. Attention, les Invalides se crient avec S. Mais c'est pas au pluriel. C'est les Invalides. Donc le monument s'appelle les Invalides. Répétez, les Invalides. Très bien. Observez bien ce monument. Ce monument, comment s'appelle-t-il? C'est un monument très connu, célèbre, à Paris. C'est le Sacré-Cœur. Répétez, hein? Le Sacré-Cœur. Très bien. Observez bien l'image. C'est où cette pyramide? Attention, c'est où se trouve cette pyramide? À Giza? Bien sûr. Non, cette pyramide est au musée du Louvre. Donc, cette pyramide, répétez, pyramide, se trouve au musée du Louvre. Répétez, musée du Louvre. Très bien. Comment s'appelle cette rivière? Nous avons une rivière très célèbre à Paris. S'appelle la Seine. Donc, la Seine, c'est une rivière très célèbre à Paris. Répétez, la Seine. Très bien. Observez bien l'image. C'est quoi? Là. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un bateau-mouche. Répétez, bateau-mouche. Oui, donc le bateau s'appelle bateau-mouche. Observez bien les cinq images. Comment sont ces monuments? Nous avons cinq monuments qui se trouvent à Paris. Comment sont-ils? Ils sont célèbres. Oui, très bien, célèbres. Ils sont célèbres. Qu'est-ce que ça veut dire célèbre? Fameux, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire connu? Oui. Question de compréhension. On va commencer avec les questions. Observez bien les quatre images. Nous avons quatre monuments. Savez-vous le nom de ces monuments? Réfléchissez et observez. Nous avons Taj Mahal en Inde et les pyramides de Giza en Égypte. Et là, le monument très célèbre à Paris, c'est l'Arc de Triomphe. Très bien. Et la quatrième image, c'est la Tour de Pise qui se trouve en Italie. On commence avec les questions. Tu réponds aux questions. Les amis montent au premier étage. Donc, nous avons la Tour Eiffel. Ils montent au premier étage. Répétez, premier étage. Non, ils montent au dernier. Observez bien, dernier étage. Ce sont des mots opposés. Premier étage, dernier étage. Donc, dernier est l'opposé de premier. Très bien. Observez l'image. Nous avons un immeuble. Où se trouve le premier étage? Regardez, le voilà, premier étage. Et le dernier étage? Bien sûr, il est là, dernier étage. Regardez, ces personnes, nous avons des personnes. Ces personnes montent? Non, ils descendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Descendre? Donc, on descend de l'escalier. L'opposé, c'est
Monter, on monte. Répétez, descendre, on descend, descendre. L'opposé, monter. Répétez, monter. Très bien. Observez le monument. Comment est ce monument? Il est comment ce monument? Ce monument, il est ancien. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ancien? Ancien égale, ça veut dire historique. Donc, le monument est ancien. Répétez, ancien. Répétez, historique. Historique. Très bien. Le monument. Et ce monument, comment est-il? Il est comment ce monument? Il est moderne. Répétez, moderne. Oui. Donc, moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nouveau. Répétez, nouveau. Voilà, nous avons deux tours. La première tour est ancienne, une tour ancienne, féminin, ancienne, et au masculin, ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire historique. Et la deuxième tour, comment elle est? Elle est nouvelle, au féminin, et nouveau, au masculin. Le même sens, c'est moderne. Donc, nous avons une tour ancienne et l'autre, elle est moderne ou nouvelle. Là, nous avons deux monuments. Cette pyramide, deux pyramides. Cette pyramide, elle est ancienne, féminin. Très bien, historique. Observez bien, ancienne, historique. Et là, voilà l'autre pyramide. Comment elle est? Elle est l'opposé. Cette pyramide est moderne. Cette pyramide est nouvelle. Donc, ancienne, historique. L'opposé, moderne, nouvelle. Comment s'appelle ce bâtiment? Nous avons un bâtiment. C'est Sukhcherg. Il est célèbre au Koweït. Célèbre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire connu et fameux. Et ce bâtiment, comment s'appelle-t-il? Observez bien. C'est un bâtiment, il s'appelle comment? On pose la question. Je ne sais pas. On ne connaît pas ce bâtiment. Donc, ce n'est pas célèbre. Le bâtiment n'est pas célèbre. C'est inconnu. Célèbre, ça veut dire connu, fameux. L'opposé pour ces trois mots, c'est inconnu. La tour, comment est cette tour? Observez bien. Elle est très haute. Donc, la tour est haute. Haut ou masculin. Au féminin, ça devient haute. On prononce le T. Qu'est-ce que je fais? Je décris les images. Donc, tout à l'heure, on a décrit les images. On a décrit les monuments, les tours. Observez bien l'image. Comment est cette mosquée? Nous avons une mosquée. Elle est comment? Elle est belle. Donc, la mosquée est belle. Beau, c'est au masculin. Belle, aussi au masculin. Attention, avec un seul L. Au féminin, ça devient belle. W-L-E. Beau, belle, au féminin. Observez l'image. Comment sont ces maisons? Nous avons des maisons. Elles sont comment? Ces maisons, elles sont bleues et blanches. Donc, la maison ou les maisons sont tout féminin. Elles sont bleues et blanches. Le paysage. Observez bien le paysage. Comment est le paysage? Al-Manzar. C'est... Il est merveilleux. Donc, le paysage est merveilleux. Et si le mot devient au féminin, ça devient merveilleuse. Répétez, merveilleuse. On commence avec les questions.
te complète avec les mots suivants. Que, emmène, heure, monument, avec S, invalide, merveilleux. On va commencer. Le matin, Monsieur Martin, blanc, les amis à la fameuse Tour de Paris. À votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? On va compléter avec quel mot? Le matin, Monsieur Martin, sujet? Très bien. Emmène, le verbe, Monsieur Martin, emmène les amis à la fameuse Tour de Paris. Ils font là depuis plus d'une demi-heure. Ils font, bien sûr, ils font la queue depuis d'une demi-heure. D'en haut, ils ont admiré beaucoup de quoi? Beaucoup de monuments, très bien. Touristiques, exemple, l'Arc de Triomphe et les, réfléchissez bien, les Invalides, bien sûr. Sur la Seine, le paysage est, qu'est-ce qu'il nous manque? Le paysage est merveilleux. Très bien. Tu trouves le mot insolite? Donc là, nous avons une deuxième question. Tu trouves le mot insolite? Moderne, immeuble, historique, fameux. Le mot inconnu, le mot insolite, réfléchissez bien. Bien sûr, immeuble, parce que moderne, historique, fameux, c'est dont on parle, on décrit les monuments. Deux, monument, tour, merveilleux, arc. Le mot insolite, réfléchissez bien, c'est quoi? Bien sûr, merveilleux, parce que monument, on peut trouver comme monument une tour ou un arc, et merveilleux, c'est un adjectif. 3. Là-bas, à droite, en haut, escalier. Le mot insolite, à votre avis, c'est bien sûr escalier. 4. Queue, tour Eiffel, arc de triomphe, invalide. Le mot insolite, c'est très facile. Bien sûr, le queue, parce que là, nous avons trois monuments de Paris. Troisième question. Tu trouves le sens de mot souligné. Attention, le sens, le même sens. 1. Le Louvre est ancien. Le même sens de ancien. Est-ce que ça sera beau, historique et grand? Réfléchissez bien. Bien sûr, ça sera historique. 2. Mohamed Ali est un boxeur célèbre. Le même sens de célèbre, ça sera actif, connu, inconnu. À votre avis, bien sûr, ça sera connu. 3. Il y a beaucoup de sites touristiques en Égypte. Le même sens de site, est-ce que c'est lieu, tour, escalier? Réfléchissez bien. Bien sûr, ça sera lieu. Donc, le même sens de site, c'est lieu. Tu complètes les mots. Là, nous avons un autre type d'exercice avec des trous. On complète les mots. À votre avis, numéro 1, on sait quoi? On complète par quoi? Lieu. Lieu. Lieu quoi? Lieu touristique. Très bien. Les de Giza. Les quoi? Les pyramides de Giza. Très bien. 3. Les sites, les fameux sites, les fameux sites complétés historiques sont, les fameux sites historiques sont merveilleux. Très bien. On est arrivé, وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. وتم التعرف على الملف السادس والتعرف على المفردات وكيفية استخدامهم. À très bientôt et bon courage et au revoir.